l'heure à l'appel avec 20th Century Fox. Jouez à l'heure à l'appel avec le magazine Télé Loisirs. De lancer des messages, mais là, au nom du métier que j'exerce depuis près de 25 ans, je voudrais dire à monsieur Philippe Douce de Blasi, n'oubliez pas que le jour où il n'y aura plus d'intermittent du spectacle, il n'y aura plus le ministère de la Culture. Bienvenue à tous, bienvenue sur le plateau de l'Or à l'Appel, pour une émission quotidienne en direct et en public, avec ce soir comme tous les soirs, à la clé d'un coup de téléphone, 10 000 francs. La cagnotte, elle monte, elle monte, elle va péter, elle est à 23 patates. Welcome to London, welcome, bienvenue in the fog. Deux équipes, j'aime pas du tout les cheveux qu'ils ont, ça m'énerve considérablement. Là, ça. Oh, les bleus, allez en piste. Et voilà, ça y est. Les blancs sont plus forts. Les blancs sont plus forts. Les blancs sont plus forts. Bonsoir. Ce soir, la 20th Century Fox offre à l'équipe gagnante des places pour aller voir la course aux jouets avec Arnold Schwarzenegger ainsi que des affiches du film. Alors, prenez les rênes par les cornes et comme c'est bientôt Noël, nous vous offrons aussi le Turboman de collection pour que vous soyez le héros de toute votre famille. Voilà, pour la seconde équipe, nous offrons des t-shirts et plein d'autres cadeaux. Voilà, je pense que Turboman ne va pas tarder à arriver. Voilà. Là, maintenant, c'est la pub, là. C'est le fessier tendu. J'ai eu le tendu, regarde, il est tendu. Ça, c'est de la balle qui monte. Bon, Olivier, pour faire la même chose. Assez. Et Bocara, il est plus maître de rien, là. Tu vois pas que là-bas, il y a une escogne, il y a une émeute, ils sont en train de violer une vieille dame et. Olivier, le but du jeu est très simple. Vous allez devoir tenter, avant explosion de votre balle de golf, de marquer un maximum de points. Chaque trou est noté d'un point entre 1 et 5. Plus il y aura de points, plus vous aurez de chance d'être sélectionné. Merci. Hein? Ouais. Mon pépère, ça. C'est bon, il manque la visière, puis ça fait un peu vos peaux, là, comme ça. Allez, Olivier, je vais là-bas, histoire de vous renvoyer les balles au cas où. Il y a combien, les filles? Il y a combien de balles? 8, 10? Moi, c'est 10 balles avant minuit, c'est important. Hein? Attention, Rosa chérie, tu mets le feu en nous, amour, c'est parti, feu! Allez, voilà.
Il y a 8-9 balles. Attention. Oui, ça c'est un tir de vieille. Hein. Voilà. Ça c'est un tir pour les vieilles dames. Hein. Ça c'est un tir pour Mireille du petit conservatoire. Ça. Oh. Oui. Toujours rien. Allez, ça fait 2. Toujours rien. Oh, l'autre il m'a visé. Pas de points. Oui, ça ira pas. Pas assez. Allez, on continue, on enchaîne. Oui, elle est belle, dommage. Merci encore une fois. Voilà, une dernière. Attention. Oui. Dommage. Allez, combien il en reste? Il en reste 8, c'est terminé. Il en reste 8, vous avez pété les 8 boules. Elle en a pété les 8 boules. Et sur les 8 boules, elle n'en a que chi, Olivier. Pas facile. Allez, changement de... Changement de partenaire. Mesdames et messieurs, si vous voulez participer à cette émission en tant que candidat ou faire partie du public, eh bien n'hésitez pas, contactez-nous. Ah, oh merde. La voix de Namé était cool aussi. Avec ta caméra, tu suis juste devant. Alors finalement, regarde dans quel état t'es. Ça va être encore ma faute maintenant. La tronche que t'as. Ce soir, tu rentres pas en bus comme ça, on te laissera jamais rentrer. Hein. Surtout en ce moment, je vais te dire. Bien, donc si vous voulez participer à cette émission, ici, là. Voilà, là, tu vise la canne, je suis au bout là. Vous n'hésitez pas, vous composez le numéro de téléphone qui défile en bas de votre écran et avec un peu de chance, vous finirez dans le même état que notre cadreur. Allez, va coucher Pépère, il n'en peut plus. Merci, Isati. Merci le cadreur. France, même punition, même combat. Allez, il suffit de marquer un point pour être sélectionné. Franck, on est parti pour 8 boules, quand vous voulez. Allez. On y était presque. Ah, oh, il était dans la direction. Ouais. Non plus. On va y arriver. Ah, toujours rien. Merde. Là, il en reste une, c'est la dernière. Allez. Ouais. Ah. C'est dommage. Envoyez-moi le délai. Hop. Allez, Franck, c'est vous l'honneur. Père ou impair? Père. Fais la caméra. Père, si c'est père, vous êtes sélectionné. C'est gagné pour les Blancs. Désolé Olivier, c'est la loi du sport. Guillaume, Linda, bravo, qui fait le premier vrai faux? Allez Linda, on est parti. Pardon, excusez-moi. Là, je dois dire que j'ai été gâté comme rarement. Rarement. Là, c'est Ludovic. Ludovic est dans le public. Merci mon Ludo. Ah, il est tombé mon dessin. Ludo qui m'a envoyé une très jolie rétrospective de Laurent Lapelle. Ici, on a la petite Cynthia qui m'a fait un cadeau merveilleux. Et puis des dessins partout, un petit skieur. Et il est où mon taille-crayon? Il est là mon taille-crayon de Michael. Merci beaucoup les enfants. Allez, Linda, 7 questions, 10 secondes par bonne réponse. Are you ready? Yes. So you are. Le vrai prénom de Jane Kelly était Eugène. Mais bon Dieu. Oh. Et non, pourtant c'est vrai. On comprend pourquoi il a pris un pseudo. Hein. En Picardie, une topette, et non une tapette, une topette est une jeune taupe. Parti pour le premier chiffre. 1 million. Oui, non mais, faut pas dire qu'elles sont mignonnes parce que ça a une connotation sexuelle, c'est très mal vu par la presse. Ah si, moi, il y a une journaliste qui m'a dit, ah vraiment, fille... Ah voilà. En plus, Lynn, elle est allergique au sexe. Dès que vous parlez de sexe, ça y est, pas. Regardez, voilà. À quel état elle est, pauvre mémère. Allez, vous avez 30 secondes pour remettre les lettres dans l'ordre afin de trouver le bon chiffre. Top chrono, c'est parti. Allez.
Une crotte de nez, là. Lise, t'as une crotte de nez, là. Marlène. Ah, je sais pas, moi, vous voyez, hein. C'est... Non, y a pas de prénom. Ah non. Y a pas de prénom. Allez, bougez les lettres. Bougez les lettres, c'est ça, comment ça M devant. Le L. M. M, pardon, devant. Cynthia. Allez, 10 secondes. On a bon, là, on a bon. Eh. Eh. On change. Eh. 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 On change de lettres. On inverse le A et le E. Et on avait Merlan. Oh. Oh. C'est Guillaume qui a porté la poisse. Oh ouais, c'est Guillaume, c'est... il est venu, il a porté la poisse. Ah ouais. Allez-y, pétez sa gueule. Va y péter sa gueule. Pétez sa gueule. Pétez sa gueule. Pétez sa gueule. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas te faire mal, toi. Alors, Miss Catastrophe, on part comme ça. Ouais. Parce que Cynthia, faut dire que c'est. Il y a un pot de fleurs qui se casse la gueule, t'es tranquille, elle est dessous. Hein, là, elle est en train de fumer sa cigarette, elle est là, elle s'est appuyée contre les ampoules. Vous voyez que ça, c'est tout. Pauvre fille, alors, vraiment. C'est... Mais t'es qu'une pauvre fille, mais tout le monde le sait. Chanson. Merci les filles. Guillaume, il faut de la rigueur, ce diable. Bien sûr. Mais oui, mais c'est après. C'est... Le premier temps, Christina, vous allez être le pilier de ce jeu, puisque raide comme un bout de bois, raide comme la justice, eh bien, c'est Olivier qui va courir chercher un ballon. Vous prenez celui que vous voulez. Sachez que si vous prenez le gros ballon, ça compte deux. C'est ouais. Beaucoup plus dur, hein. Ça compte deux. Alors, vous prenez un ballon, vous venez, vous le posez sur la poitrine, enfin sur la face devant de la face cachée d'Orion, et vous l'éclatez en la serrant dans vos bras. Quand la greloche grelotte, c'est-à-dire au bout de 30 secondes, vous asseyez sur la chaise et Christina, like un cabri, vous sautez, vous explosez le ballon posé sur les genoux d'Olivier. On est prêt? L'équipe qui explosera le plus de ballons sera sélectionnée. Attention! 3, 2, 1, go! C'est parti! Allez, on est parti! Allez! Le premier ballon doit venir ici. Et ouais, en voilà. Nous en avons un pour les bleus. Il reste 50 secondes. On va la deux. Ouais, trop facile ça, trop facile. Allez, ça va devenir plus dur. Ça va devenir plus dur. Oui, par là. C'est bien. C'est de l'amour, ça, c'est de l'amour. Allez, facile. Alors, t'as dû exploser de soutien-gorge là. Allez, le dernier. Asseyez-vous et maintenant là je crains le pire. Allez Christina, on y croit, on se bat. Ouais, ça fait 6. Oui Christina, que d'énergie dans le ballon. Hop, romp, 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 romp. Allez, ouais. Ah bah oui, ça. C'est... Oh. 7, allez, 5 secondes, 10, 10, 10, c'est le dernier. Allez, ouais. Allez, c'est terminé, vous n'aurez pas le temps. Bravo, bravo, combien? 8 ballons, Christina, Patricia, allez vous asseoir, enfin retournez à la buvette. L'équipe blanche, Franck, Linda. Franck, je vous demande d'être indulgent avec Linda qui est beaucoup plus légère. Parce que sinon vous allez dire quelqu'un, on va la retrouver dans la cage aux chansons, on va être emmerdé avec cette affaire. 8 ballons à battre, on est prêts? Ouais. 3, 2, 1, allez go! Je vais vous tenir, je vais vous tenir, je vais vous tenir. Attention, attention. Voilà, on va là. Allez, on en est un. Le gros, il compte double. Hein. Allez, on va là deux. Le gros, ah non, la personne veut du gros. Accélérer un peu les jambes. Voilà, oui, c'est un conseil. Voilà. Allez, ça nous en fait 4. Allez, Linda, allez. Ouais. Vite, 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 c'est le dernier. Vite, il faut sauver le meilleur. Vous allez lui prendre le gros. Ouais. Malheureusement, ça n'en fait que 6, les blancs, si vous voulez. J'ai plus ma boîte de Guinness. Et oui, tu t'es brûlé. Ah, ça, c'est... Ah, on va t'envoyer un équerre. Tuto,
Ma liste de chansons. Rigolez pas, ça pourrait arriver à n'importe laquelle d'entre vous. Et surtout sans prévenir. Hein? Bien, elle est où, Lynn? Lynn, fais attention, t'as... Oui, pardon, excusez-moi, Olivier, excusez-moi. Non, ben, c'est les gaffettes, c'est faut les driver, sinon ça ne sort plus. Olivier, vous avez 5 titres à retrouver dans un minimum de temps d'une minute 20. Le premier, c'est une série télé, facile, chanson. Magnum. Magnum, bonne réponse. Faites très attention. Faites très attention, les bleus. La prochaine fois que vous soufflez, j'annule l'épreuve. Non seulement ça, mais en plus, je vous envoie les gaffettes. Allez, non, on joue le jeu. Allez, chanson, on est parti. De la triste suante à la dernière danse, quelques nuits de feu, matinées de sang, de cette agitation des nuits. J'oublierai ton nom, chanson. C'est quand même fou l'effet. L'effet que ça fait. Couleur café. Couleur café. On en a parlé hier chez Paul Amar, Le Monde de Léa, très bonne émission. On a parlé de ce grand monsieur, de cette immense star qu'on pleure encore tous les jours. Chanson. Allô ? Le téléphone sonne. Ah non ! Le téléphone pleure. Ah mais non, mais oui, mais si, non. Merci. Ah mais non. Chanson. Il a dit le téléphone sonne. Accordé. C'est accordé. Après, il s'est rattrapé, il a dit téléphone pleure. Attention, Olivier. Merci, vous êtes grand seigneur. Grand seigneur. Je ne prendrai que 3000 francs de vos 6000 francs. Chanson. Tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers. C'est Nougaro, mais. Des hivers crépitants, du chat. Ça ira. Ah ouais, tu verras, tu verras. C'était facile. Attendez, attendez. Quel âge il a, le petit avec les lunettes? Quel âge tu as? 13 ans. À 13 ans, il le sait. Les mains sur la tête, Olivier. Allez, revenez vite, chanson. Le plastique, c'est fantastique. C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Il en reste un à trouver, et là, je serai intraitable. En plus, on l'a chanté dans les coulisses tout à l'heure. Non, pas toi, t'étais à l'hôpital en train de te faire soigner. Chanson. Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau. Les copains d'abord, bonne réponse. Olivier, attention, remontez, parce que là, le chronomètre va partir. Si vous posez le pied... Ah, mais c'est... Vous y vas, bon, ta mère, elle a fait du flan, c'est pas moi qui marche dedans, là, regarde, il y en a partout, là. Allez, Olivier, il vous reste 45 secondes pour aller décrocher le pompon. Top chrono, c'est parti. Gagné. Non, c'est pas vrai. Si, t'as une... Si, elle est grosse, là. Non. Si, t'as une grosse, là. Je te le dis, regarde. Si, elle est grosse, Allez, Maline, merci beaucoup. Bien, alors voilà, ça y est, c'est gagné. 6000 francs. Bon, les enfants, faut se ressaisir. Hein. Il y a votre copain, il vous a mis un peu de fond de teint, là. Mais trois fois rien, on est à peine maquillés à la télé. Hein. Okay. Bonsoir. Bien. Oui, évidemment, on déconne. On déconne. 19h31 et 33 secondes. Guillaume, vous avez un léger handicap. De par la taille, si, parce que vaut mieux être grand, parce que plus t'es grand, moins t'es petit. C'est con ce que je viens de dire, c'est... Des fois je me surprends d'avoir une telle couche. Et il n'y a pas tout, hein, on n'a pas tout exposé. Alors, le but du jeu est très simple, à mon top, vous montrer le plus rapidement possible par vos propres moyens afin de décrocher un à un les trois oiseaux qui sont là. Lorsque les trois oiseaux seront à terre, eh bien le plus rapide sélectionnera son équipe. Si vous faites là, les filles... Non, déconnez pas, si vous partez, le building, il tombe. Hein. 3, 2, 1, top, c'est parti. Hey. Avantage des bleus. Égalité, reprise des blancs. Et oui, le blanc a une technique, tout à lui. Il faut poser le pied à terre. Top, et on remonte. En voilà un pour les blancs. Et oui, le bleu, malheureusement, prend une demi-longueur. Hey, c'est peu bête. Un deuxième, il faut toucher à terre. Hop, ça repart.
comme il faut. Il n'y a pas photo là, oui. Eh ben, c'est bon ça. Victoire des Blancs. Bravo. Non, 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 c'est pas fini, il faut aller le chercher le dernier. Stéphane, tu veux chercher le dernier? Allez les Blancs, qui fait le dernier vrai faux? Ouais. Allez Franck, donnez-vous la peine, on est parti pour le dernier vrai faux. Le plastique, c'est fantastique. Une cousette est une apprentie couturière. Ouais. Tout à fait. Bonne réponse. Le bouc loge dans une bouquinerie. Faux. Bonne réponse. Dans une étape, comme tout le monde. Jean-Baptiste Kléber est l'inventeur du pneu à chambre à air. Vrai. Non, c'était un général français, Jean-Baptiste Kléber. Affronter le Labrador fou enragé. C'est vous, Linda? Oui. Alors, on voit ça après la... Ah, tiens, c'est le public qui va la faire. Attention, c'est là. Oui. Voilà, je la sens bien, celle-là. Je la sens bien. Merci, Emma. Merci, mes mères. Merci, Stéphanie. Bravo, les Blancs. Allez, on retourne là-bas, les Blancs. Tout bien, moi je dis tout bien. Tout le monde il est beau, tout le monde il est content, tout le monde il y en a des pognons. Les bleus, 6000 francs, les blancs, vous avez un petit bonjour à faire, Franck, il me semble. Ben... Regardez bien la caméra. Attention, vous êtes prêts. Petite annonce première. Bien, bonjour à tous les élèves de l'école de Saint-Louis et de Camus, et aussi à mes élèves de karaté qui ce soir sont nombreux. Tempête sur les cordes. Un peu toute la semaine cette année. Voilà, très bien. Et bien sûr, à tous les enseignants. Ça, c'est important, c'est important. S'il vous plaît. Les bleus, ça va, tout est fait. Non. Merci à l'équipe. Merci, merci à l'équipe. La note d'équipe. Oui, à vous. Ah, ben écoutez, alors, ça me touche droit au cœur. Linda, oui, on va voir. Je voudrais passer un bonjour à Sophie. Sophie. C'est son anniversaire. Sophie. Demain, donc voilà. C'est son anniversaire. Bonjour à tout le monde. 4. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Sophie. Happy birthday to you. Bravo. Merci les deux équipes. Lynn, à toi, bel enfant. Bonsoir. Bravo les bleus, bravo les blancs. Chacun d'entre vous remporte un abonnement à notre magazine Télé Loisirs. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous vous donnons une possibilité supplémentaire de gagner 10 000 francs en participant chaque jour à notre tirage au sort. Pour cela, il vous suffit de découper le butin. Ah ouais, ça sent bien ça. Voilà, ça sent. Ouais. Ah ben voilà, t'as qu'à déchirer le butin. Non, 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 regarde. Tiens, regarde la gueule du bulletin. Comment ça? Un petit peu, un petit peu. Oui, bah, un petit peu, un petit peu. Alors voilà. Bah, tu commences à lire. Alors, c'est Carnero qui habite dans le 09. Voilà, qui gagne la somme de 10 000 francs offerts par notre partenaire si le téléphone sonne ce soir. Mais bon, bah, comme d'habitude, il sonnera. Il y a intérêt. Voilà. Merci, Lynn. Bonsoir. L'énigme. C'est Yannick Noah et Nagui qui ont reçu un faire-part du Vatican comme quoi le pape voudrait les bénir. À mon avis, il était bourré, le pape, hein, mais enfin... Alors, Nagui et Yannick, ils prennent l'avion, et ils arrivent au Vatican, et puis ils se mettent dans la grande salle d'attente. Il y a un évêque qui leur dit, eh bien, écoutez, messieurs, sa sainteté, le pape, va venir vous bénir dans quelques instants, veuillez l'attendre. Et alors, ils commencent à attendre, et puis au bout de 5 minutes, il y a Yannick qui fait, oh, bon, putain, il est là, le pape, là, n'a pas que ça à foutre, moi, j'ai l'équipe entraînée et tout. Et Nagui, ouais, sa mère, putain, il se dépêche, on va, là, ça... Et alors, Yannick, il craque. À un moment, il ouvre son sac de sport, il sort une demi-baguette, il prend du thon, il le met dedans, il prend le tube de mayonnaise. La vraie mayonnaise bien grasse qui pue, là. Hop, il commence à casser la croûte. Il y a Nagui, il regarde, il fait, mais t'es ouf! Mais t'es ouf! Ah, je dis, bah, t'es ouf, arrête, on est reçu par le pape, et nous, là, un beurre, un black, on est reçu par le pape, on va être béni, toi, tu es en train de casser la dalle. Et Yannick, il fait, j'en ai pété, moi! Je n'en foute, moi! L'autre, il nous fait attendre, j'ai la dalle, moi! Et l'autre, il continue, il casse son. Nagui, il fait, oh, j'ai la teon, là, j'ai la bif, là, non, j'ai honte, là. Et puis, il va se mettre à l'autre bout de la salle d'attente, il pose le cul, puis il attend. Et il y a Noah, il casse la croûte avec sa demi-baguette, et le pape arrive, avec la gandoura, le wahishla, comme ça. Et il se dirige vers Yannick Noah et il commence à papoter comme ça. Il y a Nagui, il est dans le fond, il fait « Sa mère, pourquoi il cause à lui ?»« Moi aussi, je suis là !»« Vous y va, il le cause, l'autre dégueulasse, il met de la mayonnaise partout, il postillonne des miettes au pape et tout. Peu, peu, peu !» Et moi, je reste dans mon coin. Et alors, de loin, Nagui, il voit que le pape, il discute avec Noah et puis à la fin, il lui fait le signe de croix et il s'en va. « T'es Nagui, il est boule !»« Oh,
Tu vas voir Nagui, il fait oh ta mère là, pourquoi il t'a béni à toi? Moi je reste comme un con au fond là et tout. Et Yannick il dit non mais il m'a pas béni. Je dis arrête, il t'a pas béni, je l'ai vu là, il est venu, vous avez tchatché, il a fait le signe de croix, il est parti, même pas il m'a regardé. Il dit je te jure, ma vie, il m'a pas donné le signe de croix. Et qu'est-ce qu'il t'a fait? Ah qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait toi le noir, tu ramasses les miettes, tu prends le rebeu et tu te casses. C'est pour rire, c'est de l'humour. C'est pour rire. Oh, je les vois les mecs, ils ont le stylo, un plume, la lettre recommandée, là ça commence à écrire. Eh, c'est pas rigoler, hein, on rigole, je m'excuse auprès de tout le monde. Bon, allez. Le chiffre de l'énigme correspond au nombre d'ingrédients qu'a sorti Yannick Noah de son sac. Eh, facile, hein. Combien il a sorti de trucs de son sac, c'est le chiffre de l'énigme. Bien, nous allons jouer maintenant le tirage au sort pour savoir quels sont ceux qui vont pouvoir nous appeler. C'est parti. Allez, pair ou impair. On va savoir ça dans quelques instants. L'as, le 6, le 4, le 1, le 3, c'est un chiffre impair. Si votre numéro de téléphone se termine par 1, 3, 5, 7 ou 9, eh bien vous êtes de ceux qui peuvent nous appeler. Comme dirait Jean-Louis, le capitaine du port, ou plus exactement le chef du bar du capitaine du port, branchez-nous le téléphone pendant 50 secondes. Oh là, Tarala Fifi, hein. Tarala Fifi. Bon, en rythme, en rythme. Maman. Le téléphone va-t-il sonner? La cagnotte va-t-elle tomber? Notre partenaire presse va-t-il en faire gagner un? On va le savoir sous moins de 30 secondes. Moins de 30 secondes, allez. Faites sonner le téléphone, 25 secondes. Et le téléphone sonne à la mi-temps. Que vous soyez, soyez les bienvenus sur le plateau de l'Or à l'appel, je vous écoute. Je m'appelle François Layet. Bonsoir François, ça va? Ça va très bien. Bon, il y a longtemps que vous essayez d'avoir l'Or à l'appel? Oui, pas mal de jours. Tous les soirs? Oui. C'est mieux de le dire, c'est ça. Vous nous appelez d'où François? De Fargue de Langon, près de Langon. Très bien, c'est votre petit qu'on entend derrière? Non. Non, c'est un petit, mais c'est pas le vôtre. Non, c'est celui de mon beau-frère. À la bonne heure. François, donnez-moi le numéro de téléphone que vous avez composé. Le 01-55-55-35-23. Gagné! François, vous êtes à la tête d'un capital de 10 000 francs. Je vous propose une cagnotte à 230 000 francs. L'attendez-vous? Tout à fait. Bah tiens. Choisissez une couleur, François. Le bleu. Le bleu, que faites-vous dans la vie? Je suis viticulteur. J'ai pas compris. Ouvrier viticole. Ouvrier viticole. À la bonne heure. Et vous avez choisi le bleu. Oh pardon, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Hein. File dans ta chambre. Quel est votre loisir préféré? Bon, le sport. Le sport. C'est géographie. Dommage. Il y a du monde autour de vous? Oui. Bien. Je pose la question, au sortir de laquelle vous n'avez que 10 secondes pour me donner une seule réponse. François, est-ce bien clair entre vous et moi? Tout à fait. Le barrage d'Akosombo. Déjà, je vous sens motivé par ça. Le barrage d'Akosombo sur le fleuve Volta forme le plus grand lac artificiel du monde, c'est-à-dire 8500 km². Dans quel pays d'Afrique se trouve-t-il? Sénégal. Vous me dites le Sénégal, vous avez droit à une réponse, une seule. Vous m'avez dit le Sénégal. Malheureusement, j'attendais de vous le Ghana. Eh oui, le Ghana. C'est pas grave, vous remportez quand même. Enfin, c'est pas grave. Si, c'est con. Vous remportez quand même 10 000 francs. Ne quittez pas, on reprend vos coordonnées en antenne. Merci d'avoir appelé François. Demain, la cagnotte sera 240 000 francs. Vendredi, on atteindra l'égalité. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci les gars, merci les deux équipes. Salut Stéphanie, salut Emma. On se retrouve demain pour normalement une nouvelle émission de l'Or à la paix. Ciao, bye bye, bisous. C'était l'Or à l'appel avec le magazine Télé-Loisirs.